tous, on se retrouve aujourd'hui, nouveau cours de clé de guitare avec un sujet qui fait un peu écho au précédent sujet qu'on avait fait autour du home studio, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui parler des effets de guitare. L'envie que j'ai, moi, c'est de vous faire un cours autour de l'histoire un peu des effets de guitare. On va commencer avec des effets très connus et pourquoi pas décliner dans d'autres vidéos tous les effets qu'on sait utilisables à travers des pédales ou à travers des simulations pour la guitare et en parler plus longuement. Avant de se lancer dans le cours, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne avec vos amis si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est très important pour que cette chaîne continue de grandir, donc je compte sur vous et on y va. On va évidemment commencer par le début. Hein, puisqu'on parle d'effets, déjà des premières motivations à vouloir changer un son qui était clair. On parle bien ici de joueurs de guitare électrique en un son qui était modifié. En l'occurrence, l'un des premiers effets qu'on va appliquer à notre son va être un effet de saturation et comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 30, dans ce qu'on appelait des big bands, je veux dire la star, c'était pas le guitariste qui prenait des solos de fou furieux tel qu'on a pu le voir depuis maintenant une soixantaine d'années. Non, à l'époque, c'était les joueurs de cuivre, le trompettiste éventuellement qui prenait les solos puisqu'on avait une puissance avec ces instruments qui permettait de faire la différence sur scène et qu'on arrivait dans le mix général à être particulièrement audible. Les guitaristes, évidemment, un peu frustrés, cherchaient les moyens de booster un peu leur son. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Les premiers amplis à lampe, on les poussait au maximum. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? On avait un espèce de craquement. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un ampli à lampe, c'est presque un peu une forme de conservatisme. C'est qu'il faut le pousser à max parce que c'est là qu'effectivement, les lampes en chauffant, on obtient cette espèce de craquement, voire ce léger crunch, cette légère overdrive qui est due à l'origine simplement par le fait de booster son ampli. Donc après, avant de rentrer, puisqu'aujourd'hui on parlera de deux effets principaux, hein, puisqu'on a malheureusement des vidéos, on essaie de les garder, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, hein, ça dépend de chacun, mais on essaie de les garder plutôt courtes. Donc je parlerai spécifiquement à un moment de l'effet d'overdrive, distorsion et de l'effet reverb, mais avant ça, on continue un peu sur notre petite histoire, les premières intégrations d'effets. On a eu Rickenbacker qui, directement dans sa guitare, a inclus un effet de vibrato. Donc attention à ne pas confondre avec l'effet de trémolo. Hein, ça, il y a l'effet de trémolo qui est également un des premiers effets qui sera encapsulé à l'intérieur d'une pédale. Je vais en parler tout de suite après. Mais juste pour être clair et qu'il n'y ait pas de confusion, le trémolo, c'est une oscillation du volume de la note. Le vibrato, c'est une oscillation de la hauteur de note. Et il s'avère que grâce à Leo Fender et sa fameuse Stratocaster dont il a appelé la Whammy Bar un trémolo, la confusion est complètement faite dans la tête des guitaristes. Donc, souvenez-vous, trémolo, oscillation du volume, vibrato, oscillation de la fréquence, de la hauteur de la note. La première pédale qu'on peut considérer comme une unité à part entière et utilisée par les guitaristes va être construite par Dee Harmond en 48 et c'est une pédale cette fois de trémolo, donc oscillation de volume, bien évidemment. Donc ça, c'est la première fois que ça y est, on produit une pédale pour être utilisée par les guitaristes, qui est son propre objet. Ensuite, dans les années 50, on va pouvoir avoir beaucoup d'amplis qui incorporeront directement aussi des effets, tels que la réverb, l'augmentation du gain, éventuellement de l'écho. Mais on n'est pas encore sur la production de masse de pédales d'effets. Cette production de masse, elle ne sera rendue possible que grâce à une technologie qu'on appelle le transistor, très importante. Et donc en 62 sort la Maestro First Tone, qui sera utilisée notamment sur le tube I Can Get No des Rolling Stones. Et c'est ça qui va lancer la production de pédales en masse jusqu'à aujourd'hui, où finalement, après avoir eu les amplis digitaux qui incorporaient vraiment tout un panel d'effets, on a aujourd'hui des unités type le Helix, le Kemper, le Quad Cortex, qui là aussi ont pléthore d'effets qui sont modulables à l'envi via les plugins aujourd'hui sur votre DAW. On en a parlé dans la dernière vidéo sur le Home Studio. Vous avez des plugins que vous pouvez sculpter pour créer des effets presque. Vous êtes presque aujourd'hui votre propre créateur d'effets puisque des reverbs, elles sont
ajustable à l'infini à l'intérieur de vos plugins, etc., etc. Donc vraiment, le monde de l'effet en guitare a complètement explosé. J'ai fait un rapide, là, encore une fois, c'est un sujet qui est passionnant. On pourrait faire des vidéos sur des segments très particuliers. Aujourd'hui, je vous fais un rapide tour de l'histoire et j'ai décidé quand même de revenir un peu plus spécifiquement sur deux effets. On va parler donc de l'overdrive et de la reverb. En premier, on commence avec l'overdrive. J'en ai rapidement parlé au tout début de la vidéo, hein, quand je parlais des big bands, de la volonté d'avoir des amplis qui permettaient en tout cas aux guitaristes d'être plus mis en valeur, de tout d'un coup pouvoir faire jeu égal avec les cuivres à l'intérieur du big band, etc. Et donc de la découverte en vraiment montant les amplis au maximum d'un son un peu plus saturé. Donc on a un événement qui est assez marquant, une anecdote qui va aussi changer la donne sur la volonté d'avoir un son modifié quand on enregistre des disques ou qu'on joue. En 51, on a Willie Kizard, guitariste de Ike Turner, du groupe d'Ike Turner, qui sur le titre Rocket 88 s'enregistre avec un ampli qui est cassé, tout simplement. L'ampli n'est plus fonctionnel, n'est plus dans son état fonctionnel d'origine. Et du coup, il obtient ce son qui n'avait pas été entendu jusque-là sur un enregistrement. Et donc, évidemment, il a créé des émules qui voulaient obtenir ce son-là. La technique de l'ampli, évidemment, elle continue de marcher. Hein. Les guitaristes ont bien compris que quand on monte son ampli à max, on obtient un son saturé. C'était la façon la plus simple d'obtenir ce son-là. En 61, on a le guitariste Grady Martin qui utilise un préamplificateur, cette fois qui est cassé, et obtient donc un son fuzz. Alors, fuzz, c'est anachronique de le dire, puisqu'il ne savait pas à l'époque, ça ne s'appelait pas un son fuzz, mais c'est lui qui, en l'utilisant sur le titre Don't Worry, et surtout ensuite sur le titre qu'il va appeler lui-même The Fuzz, qui est le précurseur donc du son fuzz. La pédale fuzz qui est, je dirais, une espèce de variante de l'overdrive. C'est un son saturé, un peu différent, mais qui est aussi un overdrive. On revient donc ensuite à 62 avec notre transistor et avec la Maestro Fuzztone de chez Gibson, qui sera utilisée sur le titre des Rolling Stones, comme j'en ai parlé juste avant. Et là, on rentre enfin dans l'avènement des pédales qui permettent d'obtenir un son d'overdrive ou un son de distorsion, un son de fuzz. Dans les années 70, on va avoir des grande pédale de distorsion, hein, la Boss DS1, MXR Disto Plus. Donc là, vraiment, ça va culminer jusque dans les années 90 avec la fameuse Boss Metal Zone. D'aucuns ont trouvé trop extrême hein, dans ce qu'elle proposait. J'en ai moi-même eu une dans mes jeunes années que je n'utilise plus. Donc ça, ceci explique peut-être cela. Mais en tout cas, voilà, on est allé jusqu'à encore une fois aujourd'hui. Grâce à des plugins, on sait que les joueurs de métal, le Quad Cortex fait beaucoup d'appels de pied aux joueurs de métal avec toujours des plugins de distorsion ciselés, etc. Il y a beaucoup de guitaristes de grands groupes de métal qui utilisent désormais uniquement des plugins du type qu'on obtient sur le Quad Cortex pour leur son de distorsion. Donc voilà, on est arrivé un peu au bout du chemin. Alors pour l'overdrive, on va faire quand même tout de suite un petit test son, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc moi j'utilise ici la Tube Screamer, la OD9 hein, de chez Maxon. Donc c'est pas Tube Screamer, mais pour les connaisseurs, c'est une Tube Screamer. La Box of Rock. Donc la Maxon, c'est un peu plus tranquille. La Box of Rock, c'est un peu plus disto. Donc on va faire l'une après l'autre et les deux en même temps, histoire que vous ayez un peu la totale. Donc, j'active ma Tube Screamer, donc son clean. Hein. Là, je suis sur le micro intermédiaire de ma télé. J'ai mis le drive de ma Tube Screamer à 13-14 heures. Alors, c'est pas un test matos, hein. On va pas passer un quart d'heure dessus, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée. Voilà, donc on peut avoir ce... On va avoir ce genre de son. Donc on a quand même ici un peu de distance. Hein. On a déjà un bon overdrive, je veux dire... Donc c'est assez intéressant. La Box of Rock, vous allez voir que c'est tout de suite plus. Alors évidemment, ça dépend toujours de la façon dont je vais monter le gain sur la pédale, mais... On a quelque chose de quand même beaucoup plus rentre-dedans. Vous voyez que là...
pour des riffs un peu plus rock, etc. On a quelque chose qui envoie plutôt bien, qui augmente le sustain, qui augmente le gain et qui a donc ce crack. Assez caractéristique de la pédale de distorsion, évidemment, juste pour le plaisir. Je branche les deux et là... Voilà, on a quand même un truc qui envoie plutôt du steak. Ok, donc tout de suite, on va passer à la réverb. Comme tout à l'heure, je vais vous faire un petit tour de son, hein, avec ce que j'ai sur mon pédalier ici, hein, sans prétention. Donc j'ai la Hall of Fame de TC Electronic. C'est parti, je vous montre simplement, vous devez le connaître normalement, c'est vraiment le premier effet qu'on apprend un peu à apprivoiser, la réverb. Donc là, le son de ma Telecaster en clean sans réverb. Et là, je vais brancher la réverb. Donc là, je suis sur une plate. J'ai pas exagéré les différents réglages. Je suis plutôt à midi surtout. Je vous montre une hall parce que c'est un peu plus... et je vous expliquerai évidemment juste après ce que veut dire plate et ce que veut dire hall, évidemment. Je vous montre juste la hall parce que c'est un peu plus évident. Donc là, vous voyez que... concert hall, comme on les appelle. Bon, alors évidemment, la réverb, c'est quelque chose, c'est d'abord un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'on prend conscience de la réverb parce que quand on a été dans des espaces, qu'on chante dans des grands espaces, hein, on se rend compte que y a un effet de réverbération. Et toute la question pour les musiciens, c'était de pouvoir reproduire cet effet, notamment pour les guitaristes, sur leur instrument sans passer par un grand espace, etc. Donc, trouver la technologie qui permettrait de donner l'illusion, puisque c'est de ça dont il s'agit, de l'espace. Si on est un peu plus concret sur les notions physiques de la réverb, c'est simplement une illusion de réflexion du son qui durerait moins de 0,1 seconde. Voilà le principe de la réverb, le principe qui permet de créer de l'espace une distance. Donc c'est en 1939 que Lawrence Hammond va développer une réverb à ressort pour l'orgue, hein, le fameux orgue Hammond. On fait les liens là doucement pour ceux qui connaissent, mais effectivement c'est donc Lawrence Hammond sur l'orgue, et cette réverb à ressort pour les anglophones, spring reverb, c'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Le spring reverb, c'est un terme que vous retrouvez, ben, je retrouve sur ma pédale le terme spring, donc réverb à ressort, c'est encore une technologie utilisée aujourd'hui, et c'est une technologie qui fonctionne sur la réflexion du son le long d'un ressort, pardon, entre deux bobines. Voilà le principe de la spring reverb. Dans le monde de la guitare, c'est une fois de plus Leo Fender qui va faire avancer un peu le schmilblick, comme on dit, hein, puisqu'il va créer la première unité de spring reverb en 61, qui s'appelle, et là je vais regarder mes notes parce que j'ai pas retenu le nom par cœur, la Fender 6G15 spring reverb. Donc retenez ça pour les puristes. Et ça, vraiment, c'est, encore une fois, précurseur, puisque d'un coup, on a une unité externe qui nous permet d'obtenir cet effet pour les musiciens. En 61 également, on a Ampeg qui sort le premier ampli qui intègre directement une reverb, donc ça, c'est révolutionnaire aussi. C'est le Reverb Rocket R12A, donc là, on pense, c'est une question de moi, hein, mais que c'est vraiment le premier ampli qui va incorporer une reverb. Et Fender répondra en 63 avec le Vibroverb, donc ça c'est un ampli mythique, donc avec sa propre reverb intégrée également, et ce qui est un ampli combo cette fois,
et qui va définir plus ou moins le son Fender et qui va devenir une espèce de maître étalon pour la marque. Donc on a également d'autres types de reverb, notamment la plate reverb, qui cette fois fonctionne en faisant vibrer une plaque, et c'est ce qui nous permet d'avoir la réverbération du son. Donc ça, c'est un autre modèle de reverb. Il y a des légères différences sonores qui ne sont pas toujours perceptibles pour le néophyte, mais pour celui qui s'amuse à jouer avec ses reverbs, il pourra noter une différence entre les deux. Donc après, on aura toutes les variations qui sont plus liées à la taille de l'illusion qu'on essaie de donner. Hein. Donc on a les chambers, on a les halls, qui en fait, la différence se joue surtout au niveau de la rapidité de décroissance de l'effet, qui donc confère un sentiment de plus grand espace, puisqu'il va durer plus longtemps, moins longtemps, ce qu'on appelle le decay sur les réglages un peu plus poussés de votre pédale, par exemple. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment un effet qui a longtemps, et même aujourd'hui, est souvent incorporé directement dans les amplis. Donc on n'a pas sur tous les pédaliers une pédale de reverb, puisque y a des très très belles reverbs qui sont intégrées dans les amplis. Sur les pédales, évidemment, on peut penser à la Holy Grail, on peut penser à la Hall of Fame que j'utilise aujourd'hui. Mais voilà, c'est un mix. Et évidemment, aujourd'hui, comme pour l'Overdrive, à l'intérieur des plugins, je pense par exemple à Isotope avec son Neoverb Pro, vous pouvez sculpter des reverbs, mais dans leurs moindres détails, faire un mix de différents types. Enfin, c'est un truc de fou aujourd'hui ce qu'on peut faire avec les reverbs et la précision qu'on peut atteindre. Quand on sait d'où on vient à l'origine, on repense à Lawrence Hammond dont j'ai parlé au départ, il y a quand même eu une énorme évolution qui finalement est plutôt rapide. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui que j'ai voulu un peu synthétique autour de l'histoire des effets, des pédales d'effets pour la guitare, et un peu plus précise sur deux effets notamment, donc l'overdrive et la reverb. Évidemment, j'adore ce genre de format et j'adorerais le faire sur d'autres effets. On peut penser à la wah-wah, on peut penser au chorus, on peut penser au phaser, etc. On pourrait faire des vidéos spécifiques qui parleraient notamment des guitaristes qui ont utilisé ces effets de façon un peu iconique. Donc voilà, si ça vous plaît, ce genre de contenu-là, un peu d'histoire comme ça, et en même temps, on fait un petit peu de test matos, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en fera plus et avec plaisir. Je termine cette vidéo, évidemment, disons de liker si ça vous a plu, de surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça c'est très important, c'est la chose la plus importante, et de le partager pour que la chaîne puisse toujours proposer plus de choses. Donc voilà, j'ai hâte de vous revoir, et je vous dis à très bientôt. Ciao !